Alors, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo accompagnée de Frédéric de la Martinique, salut, et Mike, salut, qui veut nous présenter sa M2. Alors, que peux-tu me dire sur ta voiture? Elle est de quelle année? 2017. 2017, ok. Bah, juste des jantes, une petite déco préparation M. Elles sont très sympas, hein, tes jantes. Hein. Japan Racing? Exactement. Toujours effet concave à l'arrière, ça c'est super. Hein. En 20. 20 pouces. 285. Je travaille de vente et de location conteneur et de transport en même temps. D'accord. J'étais partenaire avec BM. Donc c'est cette voiture-là qui a fait le show de drift chez BM. Ils ont pris la voiture de A à Z. C'était pour l'inauguration de la M5 compétition. Ok. Ils sont aussi servis par longtemps. Et puis voilà. Je vois que tu as un petit sigle à Krapovic ici. Tu as la ligne Accra? Non, bientôt. Bon, pas encore ce que j'ai été dit. Voilà, exactement. Donc c'est pour le show qu'ils ont installé les bandes. Exactement. Ça, c'est aux couleurs des BM. Motorsport. On avait un GoPro en bas là. Ah, ok, la fixation de la GoPro. Au moins, tu peux la remettre à tout instant, c'est bien. Voilà, exactement. Ok, très sympa. C'est sympa la config. Ok. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le bodybuildage là qu'on peut voir sur l'aile arrière là, comme ça. Ça rend super bien sur ces voitures. Ouais, c'est pas mal. C'est une voiture du feu. C'est ta voiture du week-end? Exactement. Enfin, week-end shoot, je dirais même. Ah ouais. En 2017, elle a quand même 19 000 km. Cool. 19 000 km en 3 ans, moi ouais, ça va. C'est une voiture que j'aime bien, je l'ai pris pour le fun et puis j'ai passé la voyeur BM en fait. Hein. J'étais déjà une Subaru avant. Mm-hmm. Et la propulsion et les quatre roues, c'est vraiment. Il y a vraiment un monde, c'est différent. Là tu t'amuses. Ah ouais, il est vraiment plus joueuse, le parent, ouais, c'est vraiment un kiff quoi. Ok, très bien. Et voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur, les amis. Poignée de porte carbone, Alcantara, Sio Piquet bleu, d'origine, système audio, bon, je pense que vous connaissez déjà à force. Okay. Alcantara, carbone. C'est sobre mais c'est très sympa. Avec les petits Sio Piquet bleu, ça. C'est beau, c'est sobre, mais j'aime bien. Alors, pour ce qui est du moteur, les gars, vous n'allez pas voir grand-chose. 6 cylindres en ligne, turbo, d'origine, voilà. Allez, les gars, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, les amis, nous voici à l'intérieur du véhicule. Ça commence bien. Alors, tu m'as dit, ça fait 3 ans que tu as cette voiture. Hein. Exact. À la ligne, ça va être génial. Ah, hein, franchement, là, déjà le sonder plus fort que M4 d'origine. Parce qu'on en a fait une en Guadeloupe, préparé avec la ligne. C'est pas une façon, je pense que tu connais déjà le son que ça donne. Ah, oui, c'est... Là, ça va compléter encore tout ça, quoi. Très bien. Niveau conso sur ça,
On se situe comment? Elbois. Lyon, sur, par exemple, j'ai fait l'up là. J'ai fait peut-être. Hier soir, les gars. Ouais, hier soir, ça boit. Quand tu accélères, ça boit. Ouais, c'est ça. Il faut alimenter ce moteur. Ouais, tu vois une voiture qui roule et qui ne roule pas. Tu te verrais l'avant? Si je l'avais avant, c'est pour une M4 compétition, une M5 à la limite. Mais là, tu penses que tu vas rester chez BMW? Ouais, je pense. C'est ma première BMW et je suis satisfait surtout de la prestation des BMW. C'est bon, je vais travailler avec eux. Mais niveau prestation, retour, tout ce que j'ai, comme c'est la première vente, etc., j'ai pas, vraiment pas de soucis. Ouais, nazi. Si je débatte ma voiture, je récupère une autre chez eux. C'est bien, bon service hein, chez BMW Martinique. C'est bien, les gars. Je vois que les propriétaires BM ici sont très heureux. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous sommes dans une boîte méca, donc on se fait plaisir. Ouais, ça freine très bien aussi. Excellent. Non mais pour en revenir à la boîte méca, comme on disait tout à l'heure, c'est bien courageux et tout. C'est vraiment différent. C'est joueur, c'est... Tu sens que tu as la voiture, mais une voiture, boîte automatique, c'est un peu plus assisté, je vais dire. Moi, ce que j'aime quand même, c'est qu'avec une boîte méca, quand tu vas partir dans de la prépa, tu n'auras pas besoin de limiter le cours, le quoi que ce soit, ou même tu pourras plonger vraiment jusqu'au bout dehors, comme tu veux. Tu peux faire ça, quoi, les gars, tu vois. Peut-être sur la voiture confort de la semaine, après, quand même, un petit peu sportif, quand même, la boîte auto. Même si aujourd'hui, on fait des très bonnes boîtes auto. Le plaisir de la boîte méca, ça ne changera jamais à mes yeux. Là, tu as déjà eu à changer les pneus? Oui et non. Parce qu'en fait, pour l'autre Drift, ils ont changé les pneus pour moi. Pour l'autre Drift. Ils ont pris en charge totalement les pneus? Ah oui, les pneus, embrayage. Ah ouais, c'est vrai. C'est cool ça. Vidange, bougie et 6 mois de garantie. Ah ouais. Pour rappel, à 17 000 km, les gars. Donc c'est bien. C'est temps que j'ai remplacé un embrayage. Exactement. Je pense que bon, tu vas apprécier ça. Mais on s'habitue rapidement à la vitesse, c'est ça le problème de nous, fans de la vitesse. Non, mais après, en termes de. Pour jouer avec, ça va être encore plus facile de jouer avec, là, tu vois. Parce qu'à partir très rapidement. Ça va être un kiff. Écoute, c'était très sympa. Je te remercie pour ce tour d'essai, franchement.
belle expérience. Et puis ben, on reviendra quand on sera à tout le monde. Il n'y a pas de soucis. On va revenir, en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, merci pour l'accueil. À la prochaine. À la prochaine, les gars. Yes.